Eh bien bonjour à tous, c'est Lamborghini. Comment allez-vous, boys and girls? Heureux de vous retrouver avec un invité particulier doté de plumes et de charisme. Une poule? Non, une dinde? Non, vous l'aurez évidemment vu dans les titres. Ce sera notre première rencontre avec un hippogriffe. On le connaît tous, hein, dans Harry Potter et Prisonnier d'Azkaban. Ce film que nous avons pour la plupart tous apprécié, sûrement aussi au fait que l'on découvre Buck qui rajoute une touche de mignonnerie. Mais qu'en est-il dans Hogwarts Legacy? Je vous montrerai un extra en plein vol avec cette merveille majestueuse. Évidemment, on peut être au sol et parcourir le monde sur Terre, mais on sera d'accord qu'elle s'avère beaucoup plus utile, et c'est d'ailleurs son utilisation principale, dans les airs. Aussi, j'ai une version full black, hein, du l'édition Day One, que je vous montrerai plus tard. Il est vraiment très très classe, hein. Et c'est d'ailleurs celui que j'utilise dans mon aventure. J'aime beaucoup ce côté dark et tout, ça va très bien avec mon personnage, etc. Le côté RP que je voulais donner. Petit tips, et pas des moindres, hein, puisque dans beaucoup de jeux, ce n'est pas possible. On peut aussi nager en étant sur notre monture. Donc en vrai, ça peut s'avérer vachement utile. Par exemple, vous êtes en train de gambader dans la campagne, dans les prés, je ne sais quoi. Et il y a un cours d'eau. Hein, il y a un cours d'eau, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le traversez. Alors que dans certains autres jeux, hein, t'es avec ta monture, t'es dans le cours d'eau, hop, t'avances. Ah ben, t'es décelé. Alors, ça casse les couilles. Hein, tu dois appeler ton cheval, etc. Machin, c'est le bordel. Non, là, tu peux courir dans l'eau, no problème. L'hippogriffe, c'est un aquagriffe, vraiment. Trêve de bavardage et de plaisanterie, voyons ce que ça donne en plein vol. Qui sait? Peut-être qu'on va concurrencer les Airbus A380. Let's go! C'est parti! Allez, aile céleste! Aile céleste! Allez! Plus vite! Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Décolle! De mon point de vue, ceux qui voient le monde en noir et blanc mentent.
Allez! Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Eh bien, voici nos deux hippogriffes. On a donc le choix selon les préférences entre le blanc et le full black. Perso, je préfère le noir, je le trouve beaucoup plus badass. Un autre moyen d'avoir un hippogriffe, les amis, est de le capturer tout simplement avec son sac de capture via les différents lieux de vie qu'il a sur map, qui sont représentés par des gros logos avec une patte d'animaux à l'intérieur. Alors évidemment, la capture de ces derniers n'est possible qu'une fois que les quêtes principales pour débloquer l'hippogriffe sont terminées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des deux vous préférez, hein. Voilà, moi encore une fois, c'est le black. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Lord Borlaug, à la prochaine. Ciao, bye bye.